Thank you.
やっほー。 こんばんは、皆さん、お元気ですか？ Je veux des Naruto dans le chat. Bonsoir tout le monde. Alors attendez, que je règle un peu ça. Un minimum, quand même. Comment ça va tout le monde? Ah parfait, Naruto, nickel. Pas de lag avec le chat. Est-ce que vous sentez ma fatigue? Un petit peu. Ça va être... Bah ça va, merci beaucoup Destiny de me le demander, c'est gentil. Bienvenue à toi Maxou6200. Merci beaucoup pour ton follow, dis donc. Follow shite kurete arigato gozaimasu, sono channel e yokoso. T'as l'air en pleine forme. C'est ce qu'on appelle des cernes. C'est ce qu'on appelle la période d'examen. Et Maxou qui nous lâche un Naruto. Oh! 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 Kachimaji, arigato! Et mon stream watta. Merci beaucoup pour le raid! Merci beaucoup! Arigato gozaimasu! Arigato ne! Courage, c'est la dernière ligne droite avant les vacances de Noël! Mon dieu, qu'est-ce que je rêve de mes vacances là! Une semaine! Une semaine! Je répète, une semaine. Waouh! Follow してくれてありがとうございます。そのチャンネルへようこそ。ありがとうございます。Merci beaucoup pour le follow. Bon les gens, avant de commencer ce live, j'ai plusieurs choses à vous dire. Bon deux en fait. C'est pas, enfin, c'est plusieurs, c'est plusieurs. La première, c'est que il y en a qui le savent. ちゃんと動くよ、うん、になった。いや、もうあの、もう諦めた。ちょっと諦めたんだけど。あ、じゃあ、ちょっと待ってね。今、やってみる。ちょっと待ってね。え、私のエクスタンションの問題は、あのね、なんというの？絵文字のサイズは大きすぎて、あの、それでは、遅すぎ？あの、例えば、上から、あの、下までに行くのは遅すぎ。それで、音も、あ、なんというの？あまり聞こえないってことが、あるそうです。Du coup, ah oui, parce que du coup, Gachi m'a dit, c'est grâce à lui que je vais avoir une extension dont j'allais vous parler, qui va permettre, en fait, dès que vous allez marquer quelque chose dans le chat, que ça apparaît sur l'écran en mettant des emojis qui tombent et un son qui peut sortir. Alors, pour les cours de japonais, je pense pas que je vais l'utiliser. Par contre, pour les moments où je ferai du gaming, Fall Guys, Phasmo, etc., ça pourrait être pas mal. Donc là, je vais, vu qu'il est là... je vais essayer de juste le lancer pour voir. Doga to. Chatto okuru kara shite mite. Ok, ok. Wakatta. Donc ça, c'est la première nouvelle. Il va y avoir bientôt une extension qui est en cours. Pour ceux qui étaient là juste avant pour le test, vous savez, ça ne marche pas. Mais voilà. Oh! Ah non, c'est les emojis Yukimi. Je mets des fois ils sont grands, petits, mais ça marche. Ah sérieux? Gachimaji ga furensugo de
紹介されている。あ、これ超見たい。フランス語での紹介。ガチマジしてください。あ、本教馬は日本人ですか？ごめんなさい。ニックネームはちょっと見にくい。それ、読みにくい。ああ、なるほど。え、私は日本人じゃない、フランス人です。Moi, je suis pas japonaise, hein, je suis française. Ça se voit par le nombre de mes erreurs en japonais. あ、こんばんは、皆さん。今、私は帰ります。あ、じゃあ、またね。あ、じゃあ、今、テストすれば、できるかな？これならどう？ガチマジ、もういる？あの、今やってみたんだけど、何も出た。あ、ちょっと待って。じゃあ私はリンクを書いて、ちょっと待ってね。あ、なるほど。じゃあガチバチは私のことを、変えられるってこと？あ！ありがとうございます。え、どうやって知ったんだ、これ。あ、見た？これ大きすぎるよ。私のが。ガチマジありがとう。でもどうやって知ったんだ？コモタフェ？大きすぎ、これ。大きすぎ。あー、merci tout le monde pour les follow。フォローしてくれてありがとうございます。そのチャンネルへようこそ。C'est quoi ces trucs? Mais oui! Mais これはアップロードする動画の。あ、なるほど！なるほど！なるほどね。あ、じゃあありがとう。じゃあ、それは明日準備します。助けてくれてありがとうございます。ガチマジ。本当にありがとうございます。みんなはもっと大きいって。惜しいって言ってる。あー、じゃあこれをやめます。ありがとうガチマジ、本当に。じゃあ明日はちゃんと準備をしてみてね。ありがとうね。大きすぎるよ。ですよね。あー、 bon voilà, donc ça c'est la première chose, ça marche, mais il faut que je c'est la... Donc ça c'est la première information. Il va y avoir une extension. Je vais même l'arrêter, sinon j'ai peur que ça fasse lag mon truc. Mais cette extension là, elle sera pour l'instant que sur les live gaming, parce que en cours, si tout le monde fait les commandes, ça va être un peu ingérable, je pense. Par contre, sur les live gaming, il n'y a pas trop de soucis. Et deuxième information. Et là, vous êtes les premiers à savoir, sauf ceux qui étaient sur Discord. Mon manuel, il va être disponible dans deux librairies à Paris. Je vous communiquerai les noms pour ceux qui sont intéressés, plutôt de le commander sur Internet. Mais voilà, c'est la nouvelle du jour, je suis contente. Oh là là, voilà. Yoku dekimashita ne. Arigato gozaimasu, gachimaji. Mina, arigato ne. Bravo, merci. ありがとう、ありがとう。そうね、あら、今日は、あの、まあ、日本人向けの発表です。私は、あの、自分で、あの、なんというの、教科書を書いたって、その教科書は、あの、パリに帰るって、という情報をみんなに、あの、言いました。これは、超嬉しいです。じゃあ
終わりです。Bon, sinon, les gens, comment ça va? On a fait un début de live un peu tardif parce qu'on a géré, vu que Gachimaji a raid et que c'est lui qui me donne l'extension. Et bah, il m'a aidé à les faire. C'est quoi? Ne, hontoni ureshii, nanka, Paris de wa, nanka, sugoku nai? Mata umaku dekinakatta ra, renaku shite, ah, hai, wakarimashita, ja, arigato ne, arigato gozaimasu, chou ureshii.そのアップが使われるって。Oui, je suis dans les temps. C'est vrai. Il est que 35, c'est vrai. Bonsoir, Césaire. J'ai rattrapé le cours de lundi dernier après mon conseil de classe. J'étais pliée de rire devant la chanson So, Ko, So, Ado. Ko, So, Ado. Ko, So, Ado. So, ne, Nihon, ah non, Nihonjin tachi. Watashi wa.これ、それ、あれ、どれを覚えるために歌を想像しました。コ、ソ、アド、コ、ソ、アドってことです。簡単だけど、みんな覚えられる。J'explique aux japonais qui sont là ce qu'est cette chanson, pourquoi je l'ai inventée et que grâce à ça, vous le retenez. Oh non. Ah, bah écoute, Kokuyu!Bienvenue à toi. J'ai vu tout à haut que tu venais d'arriver sur la chaîne. Alors oui, tu arrives avec un truc de folie là, les emojis qui popent un peu de partout. Mais voilà, 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 voilà. Non, ça c'est pas pour écrire des livres, c'est que pour invoquer des personnes. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, Mayu, il doit te clip. Non, 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 non. Coucou Kiki-san. Isashiburi Kiki-san. T'es mouru? Shinjatta no? Avec plaisir, Kokyu. Je vais taper Kokyu parce que, après, vu que c'est un emoji, chotto muzukashi. Yominikui desu. Je suis abonné à toi sur Instagram et voilou. Ah, et ben écoute, bienvenue à toi. Bienvenue pour ce premier cours. Premier cours qui te concerne. Oulala, j'ai bugué. Qui va être un cours d'exercice en fait. On va s'exercer sur toutes les notions qui ont été vues sur les 4 dernières leçons en grammaire. Ces leçons-là. Je le dis pour les nouveaux qui sont sur la chaîne. Vous pouvez les revoir sur YouTube ou ils sont encore disponibles sur la chaîne Twitch. Mais après, sinon, ils seront sur la chaîne qui est un Dino Sekai, totalement disponible dans une playlist réservée et tout, à la grammaire. Il y en a une pour les kana aussi, Hiragana Katakana. J'ai bugué? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bon? Il préfère la Wi-Fi? Ah d'accord. Ah, soka. Naruhodo ne. Du coup, aujourd'hui, on va s'exercer. Voilà, au total, on a 6 exercices à faire. Et je pense qu'on va diviser par 2. On va faire 3 exercices aujourd'hui. Et on va faire 3 exercices, du coup, la semaine. Non, jeudi qui arrive. On va prendre les 2 cours de cette semaine pour faire 2 cours d'exercices. Et alors attendez que je vous montre le PDF d'aujourd'hui. Je suis fatiguée, hein. Je vous le répète, au cas où, j'ai un peu du mal à trouver mes mots. Mais c'est pas grave. Demain, je suis censée faire un oral, et au lieu de réviser mon oral, je vous fais cours. Est-ce que ça c'est pas une bonne prof? Dites-le moi. Est-ce que ça c'est pas une bonne prof? Je suis une bonne prof, mais une mauvaise élève, vous voyez? Alors que Dixit, la meuf qui a eu 17 dans une matière, je dis ça, je dis rien. Ah, c'est pas bien, Candy. Je réviserai ce soir après le live, vous inquiétez pas. Sacrifice de soi. Voilà, Chanel a tout compris. Je me la raconte pas, je me justifie pour éviter que vous pensiez que je suis une mauvaise élève, ce qui n'est pas le cas du tout. Je tryhard de mes études pour avoir un excellent diplôme. Moi, je dois faire un contrôle pour demain, je le ferai après le cours de japonais. Et bah, top là, tabs en 5, moi aussi je réviserai après. Pour passer demain. Mais c'est un oral de 5 minutes et je dois dire ce que je fais dans mon mémoire. Je sais quand même ce que je fais. Pourquoi je me justifie? Pourquoi je me sens à chaque fois obligée de me justifier auprès de vous? C'est abusé. Je suis prof. C'est vous qui devez vous justifier, pas moi. Bref. Aujourd'hui, on va faire des exercices si vous n'avez pas compris. Ouh là là. Attends, parce que là, il faut que je me calme. MDRT, génial. Bah écoute, je suis contente que tu m'apprécies. Oh, je suis pas géniale, je suis fatiguée. Elle est là, la vierge. Ah, je vais devoir te donner des cours d'affirmation de soi. Ah mais je pense que oui. Hein. Un jour, j'avais un cours à la fac pour prendre confiance en soi.
Et ça a aidé surtout les gens qui avaient du mal, par exemple, à prendre la parole. Moi, ça va. Le seul souci que j'ai, en fait, j'ai pas peur de prendre la parole. C'est juste que mon corps, lui, a peur et il réagit sans même que je le veuille. Il devient tout rouge. Ma tête devient toute rouge. Du coup, c'est capté. Dès qu'il y a un moment de stress dans mon corps, je suis en mode rouge. Je suis, ça devient une tomate. Enfin bref, vous êtes en train de un. Quand t'auras ton CAPES, tu passeras ton temps à te justifier auprès des parents, de l'administration, de l'inspecteur. J'ai déjà envie de pleurer. Salut Sensei, salut les gens. Coucou Soledad, Genki Deska, tu vas bien? Bonjour Calais, bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui ont dit bonjour et que j'ai pas dit bonjour. Sensei Kinto Data, Isogashi Kata Daijoubu, Choto Isogashi Sugiru, ne? Daijoubu Nakedo, Choto Isogashi Sugiru. Coucou tout le monde. Comme quoi je papote, mais au moins ça fait venir tout le monde, ça c'est bien. Avant que la leçon commence, tu m'avais dit de donner ton contact à une amie qui veut s'inscrire dans l'école où tu es. Comme elle a pas Discord et n'est pas trop sur Twitch, elle t'a contacté sur ta page Facebook. Aujourd'hui ? J'irai regarder ça. Si elle m'a contacté, j'irai regarder ça après le cours. Je vais essayer de pas oublier. Il y a un moment. Ouh là là, il faut que j'aille voir. Je reçois pas mes notifs de Facebook sur Facebook. Du coup, quand c'est Insta, je les vois tout de suite, mais quand c'est Facebook, comme j'y vais jamais, je publie plus rien sur Facebook. Dis-lui que j'irai voir les messages juste après. Et qu'elle n'hésite pas à me rendre. Si elle peut me renvoyer un coucou, juste coucou, que ça apparaisse tout en haut, parce que des fois, il y a plein de messages et le temps que je le retrouve, c'est un peu long. Ça va bien, et vous? Et toi? Tu peux me tutoyer, tu sais? Je suis gentille! Comme si le vouvoiement. Oh là là. Ouh là là, le cours aujourd'hui, ça va, ça promet. Je reçois pas mes notifs de Facebook sur Insta. Mais non, t'as pas compris. C'est les messages Facebook, je les reçois sur. Mayu, c'est pas le moment de me perturber. Merci pour le beat. Le beat du perturbement. GG le vouvoiement. Non! Ah, ça va, Soledad. C'est bien. Bon, du coup, aujourd'hui, on va commencer comme d'habitude avec un petit test d'écriture, les gens, sur les hiragana et katakana. Je vous laisse, une minute top chrono pour ceux qui n'ont pas encore de feuilles et de papier. Ça n'allait pas, il me fallait 76 bits. Pourquoi? Ah, c'est dans le classement? Ah, naruhodo. Il fallait que ce soit 75. J'avais compris, moi. Vous êtes bête. Bon, vous avez tout ce qu'il faut? Maintenant j'ai 75, c'est mieux. Sonné, je te comprends, Mayu, je te comprends. Bon, je vous montre le test d'aujourd'hui. Pour ceux qui viennent d'arriver, en chaque début de cours, de grammaire ou d'exercice, du coup, vous avez un petit test de kana. Donc j'espère que Koku, tu sais tes kana. L'exercice 1, c'est un exercice d'écriture. En rouge, les hiragana. En vert, les katakana. Et l'exercice 2, c'est un exercice de lecture. Où vous devez écrire en romaji, lire et réécrire ce que vous voyez. Elle dit qu'on est bête après avoir lu ma phrase. Mais non, c'est pas toi, Shania. Mais ça me laisse le temps de me préparer mon goûter. Bah voilà. Nani. Je suis déçue, je fête mes 6 mois d'abo, mais j'ai pas pu partager un notif comme d'habitude, donc pour compenser. Ah, merci les. Ah, mon dieu, merci Kiki. Ah, vous êtes trop gentils, je vais pleurer. Merci beaucoup Kiki-san. Merci, alors pareil, j'ai lancé un test et il y a 3 personnes qui se sont abonnées. Et je pense que Kiki-san ainsi que Mayu qui a sub tier 3. Encore une fois, et je crois que Kiki aussi c'est un sub tier 3 si je ne m'abuse, ainsi que qui a sub tout à l'heure. On a eu un sub prime, je vais remonter tout ça, je vais vous retrouver ça. Ah non, je le trouve plus. Oh, il y a 2 autres personnes dont je ne sais plus c'est qui. Il y avait Jessica
et un nouveau qui n'est pas dans le chat actuellement. Je veux des claps. Je veux des claps, claps, claps dans le chat. Clap, clap, clap dans le chat. Je veux des claps, claps, claps dans le chat. Pour les remercier. Pour les subs. Et pour les beats. Évidemment. Évidemment. Ça mérite des claps, claps, claps quand même. Ça mérite qu'on dérange ceux qui bossent en mettant des emojis sur le... sur ce contrôle, cette petite test. Oh là là. Leila-san, de quoi tu as fini? Naniga fini. À boire, évidemment. Alors attendez, je vais peut-être un peu augmenter. Voilà. Parce qu'on me voit pas vraiment. Je veux des clap, clap, clap dans le chat. Ah, fini l'exo. Oui. Ah oui, bah, non mais je suis un peu trop déconcentrée là. Je suis plus moi. Même la prof, elle suit plus. C'est bien Leila San. Mais bon, vu tes capacités, ce n'est pas étonnant. Oh là là. Segonja. Shania qui a même pas commencé. C'est pas grave, t'inquiète. Je vous laisse allez, encore 5 minutes. De toute manière, le temps. On a le temps de meubler, voilà, comme ça. J'ai de quoi te faire boire 18 fois de suite. T'as le. Oui, tu vas encore me noyer. C'est pas. Écoutez, c'est une habitude maintenant. On va pas se le cacher. Ah, Kevin-san, konnichiwa. Comment tu vas? Genki desu ka? Oh, je. Ton pseudo ne me dit rien. Ne serais-tu pas nouveau par hasard? Ou alors? Ça fait longtemps que t'es pas venu. J'ai 27k de points. On joue. Oh, et Kalinours. Non mais, vous dites ça, mais Kalinours. Juste Kalinours. Elle en a plus de 60 000. La dernière fois, elle en avait 60 000. Vous êtes tout petit face à Kalinours. 20k, 17k. Vous êtes fous, les gens. C'est si facile que ça d'avoir des points sur ma chaîne. C'est un peu beaucoup là, non? Je préfère ne rien dire au nombre de points. Il n'y a même plus la place pour Kalinours de marquer le nombre de points qu'elle a. Elle lance ses lives. Ah, parce que ça marche? Genre, si tu relances un live et que tu parles, t'as des points? Pour de vrai? Oh, 72 900. Ah ouais, bah carrément. Ah, on tient... Ah, ah. Et je crois que j'ai vu passer Xiaomi tout à l'heure et je l'ai lu mais j'ai rien dit. Et coucou Xiaomi, c'est encore là. Sumimasen, désolé, j'avais... Alors voilà, un exemple typique, je vous ignore pas. Je les vois mais des fois j'ai pas le temps de répondre parce qu'il y a d'autres commentaires qui arrivent. Fini. Allez, il faut travailler. Hein. Genki desu, je n'ai m'étais beau quand tu avais fait la promo de ta chaîne future Insta, mais jamais venu sur ton live. Ah, ah, comme quoi, je le savais. Bah bienvenue à toi, écoute. J'espère que les cours te plairont. Aujourd'hui, on fait des exercices pour revoir tous les points qu'on a vus jusqu'à présent, avant, après de reprendre une nouvelle année, 2020, T1. Un peu mieux que cette année, on va espérer. Mais non, je t'ignore pas, Azum. Oh là là. Eh, je vais tous vous ban. Fini. Ah, ça va. Tout le monde commence à finir. Tout le monde commence à finir. C'est quand même joli comme phrase, non? Moi, je trouve c'est pas mal. Moi, je trouve c'est pas mal. Est-ce qu'il y en a qui ont encore besoin de temps? Dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui le font et qui ont encore besoin... Tout le monde commence à finir. Moi, je finis de commencer. Ça, c'est beau, Shania, je valide. Je suis dans la même couleur que Pure Noob. Moi aussi, je vais être ignorée. Mais arrêtez de dire ça. C'est pas vrai. Un petit Radia a encore besoin un peu de temps. Vas-y, alors, je t'en prie. Je ne sais plus écrire la ligne des K en katakana. Eh ben, il faut revoir. Il faut retravailler les K des katakana. Ah, pourquoi au cul, c'est bon. Oui, moi, car j'envoyais des bits. Balurodo. C'est une bonne justification. J'accepte. Ce n'est pas un motif de renvoi. Au contraire. Ah, Shania qui est trop dissipée ce soir. T'inquiète, la prof aussi, donc bon, je peux pas dire grand-chose. Ah.
La fatigue. J'aurais dû me faire un café. Mais après, j'aurais mal au ventre. Mais je ne serais pas fatiguée. Je sais pas ce qui est mieux. Je ne sais pas. 10 coups de fouet. Bah non, en fait. Non. Un thé au yuzu. Ah, j'en ai déjà bu un cet après-midi. Regardez, ma tasse, elle est encore là du thé de cet après-midi. Pendant mon cours de linguistique, j'étais en mode... Ah, elle fait une pause. On va faire un thé au yuzu. Fini, mais pas sûr. Bon, ça va aller. Ils sont méchants ce soir, c'est l'effet vacances qui approche ou Noël? Bah ouais, je crois. Hein. C'est bientôt les vacances, c'est pour ça. Esrib, tu dis des bêtises. Bon, du coup, je vous montre la correction. Voilà, voilà. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à dire votre score en commentaire pour que je sache où vous vous situez. J'ai triché, j'ai révisé mes canas avant le cours. Non mais, réviser, c'est pas tricher. Du coup, t'as bien fait en fait, c'est une bonne chose. Tu fais passer ça comme quelque chose de pas bien. Oh non. Moi, c'est la fatigue. Ah non, mais je pense qu'on est tous fatigués là. Vivement justement Noël, vivement les fêtes de fin d'année. Même si c'est pas si reposant que ça, mais juste on pense à autre chose. C'est surtout ça, je pense, qui fait reposer un petit peu. Les gosses aussi ont été pénibles. Tu m'étonnes. Là, ils ont qu'une hâte, c'est de finir les... d'être en vacances, hein. Oh, qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai pas fait mon boulot? Ah, Kegisan qui n'avait pas fini. Daijobu, je te rajoute des points pour les bits, t'inquiète. Il te manque combien? 3 points, t'inquiète. 3 points, ils sont donnés. Bien joué, 12, 12, 10. 9, bien, bien, bien. Vous avez mal, hein? Arrêtez, vous me perturbez. 9 sans réviser, ça progresse très bien. Ça veut dire que les cours fonctionnent et que ça irait plus vite si je mettais pas une feignasse. Ah ça? Oui, oui, oui. 11, très bien tout le monde. Oui, c'est très facile d'acheter la prof, très facile. 0 parce que je dois surveiller les élèves. La meilleure excuse au monde. Ah. Tosto, tosto, démon, tosto. J'ai mis tosto? Ah non, c'est bon. Hein. Eh, vous me faites bugger là! Arrêtez, hein! 7, bien! Ine polo camp. C'est au-dessus de la moyenne, c'est très bien. Moi, je suis une racaille, du coup, je l'ai pas fait, Lord. No name. Pas eu le temps de finir. Ah! Allez. J'ai été si rapide cette fois-ci? C'est vrai? Ah, gomenasai, Mina. Gomenasai. Ah! Maïe, le sauveur qui offre le sub à Lord! Arigato, Maïe! Mon dieu, ça va pas aider tout ça à la prof à se concentrer. Ah! Je veux juste. Pas de train de hype pendant les exercices, s'il vous plaît. Ah, parce que sinon, je vais jamais savoir faire le cours, d'accord. Ça va être compliqué, sinon. C'est bien connu, je suis une grosse racaille. Bon, et alors, du coup, qui en larmes en mode... Ti, ti. J'ai pas pu le faire, j'ai des clémentines en main. Ah. Bon, j'hésite, hein. Si c'est une bonne ou une mauvaise excuse. Qu'est cool l'horreur. Ah, bah oui. Ah, bah, c'est les canas qui posent problème. Tu es mon dieu suprême. Maïeux, le dieu de l'ordre. Eh, watashi wa kamisama nano ni? Yamete kudasai. Watashi wa kamisama da yo. C'est moi le kamisama ici, hein. So, on veut des clap 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 pour le sub-gift de Maïeux. Hein. On est d'accord, on est d'accord. C'est mon excuse, elle est forcément bonne. Mais oui, évidemment. J'ai le droit de t'appeler Bubu-chan, du coup. Sonne. Motilande de Kiryo. Évidemment que tu peux, Maïeux. Tu as toute ton emprise sur lui maintenant. Bon, sinon. Oh putain. Tous les clap 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 dans le chat.
Un petit récapitulatif de ce qu'on a vu depuis le début. On a vu pas mal de points. On a vu l'auxiliaire être à la forme polie. Kami sama janai. Kore wa dari da. Ah, sokka. Wakatta. Ja. Oboeteru ne? Kore oboeteru yo. Coucou yo, Kimi. Mais elle était déjà là tout à l'heure, Kimi, non? Donc, on a vu l'auxiliaire être. Ensuite, on a vu beaucoup de particules. Hein. On a fait quasi que ça pour le moment. La particule du thème, la particule qui veut dire aussi, qui peut remplacer la particule de thème, la particule interrogative, la particule de détermination, hein, la particule no. Et on a vu plusieurs particules de liste, donc la liste avec to, ya et ka. Et ensuite, on a vu les démonstratifs en ko, so, ado. Ko, so, ado. Voilà, ça, vous vous en souvenez, je pense. Et donc aujourd'hui, on va faire 3 exercices sur les la moitié plus ou moins de ces notions-là, d'accord ? Donc pour chaque exercice, elle est fantomatique, personne ne la remarque. Qui ? Ah, Yukimi, mais non. Ko-so-ado, ko-so-ado. Du coup, on va commencer avec l'exercice 1 pour vous montrer un peu l'exemple. Et ici, le but de cet exercice, c'est de faire une réponse à la question donnée. Et donc là, on va faire un exercice dans l'exercice. Le premier, ça va être de lire cette phrase, de la traduire, comme d'habitude. Et une fois qu'on aura fait ça, c'est de répondre à la question en utilisant ce qu'il y a en parenthèse. D'accord ? Est-ce que c'est compris pour tout le monde ? Oh, bien joué, Shania. So, 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 so. Donc là, ici, on a une question en japonais, comme Shania nous l'a dit. Inu desu ka ? Inu desu ka ? Est-ce que c'est un chien ? Et vous devez répondre à cette question par iie, qui veut dire non en faisant une phrase complète. Du coup, selon vous, cette phrase, ça sera quoi en japonais ? Vous pouvez l'écrire en romaji ou en japonais, hein. Ah, Ine Barmok, bien joué. Alors, il y a des kanji qui ont pop, mais... Oh, merci beaucoup, Patricia, Eilen, Epfel. Je sais pas prononcer. C'est trop long comme pseudo, c'est trop long. Mais merci beaucoup pour ton follow. Follow shite kurete arigato gozaimasu. Sono channel yokoso. Comment vas-tu, Patricia? D'où viens-tu? Comment t'as trouvé cette petite chaîne? Du coup, les gens, je vous laisse le temps pour le premier exercice. Ici, on a une question. Inu desu ka? Inu desu ka? Est-ce que c'est un chien? Et vous devez y répondre en disant iye. Non. Autrement dit, vous devez dire non, ce n'est pas un chien. Là, je vous aide un peu pour le premier exercice pour que vous compreniez la logique. Hein. Mayu, bien joué. Hein. Est-ce que c'est un chien? Ie, inu de wa arimasen. Et attention par contre, ton temps. Tu as mis deshita. Et ici, on est sur du non accompli, hein, tout simplement. Inu de wa arimasen. Alors, destiny, c'est presque parfait. Il faut juste faire attention. Le wa de dewa, c'est ha-h-a. Pas W-A. Du coup, je vous montre la réponse. Hein. Inu desu ka, est-ce que c'est un chien? Iie, inu de wa arimasen. Non, ce n'est pas un chien. D'accord? Oh! Oh! Unicorn-san! Merci beaucoup pour ton follow! Non, c'est pas un follow, c'est un sub! Les gens, je vais pas tenir ce cours si vous continuez comme ça. Vraiment, je vais pas y arriver. merci beaucoup. Je veux des clap, clap, clap dans le chat pour Nino Costa. Et Jojo Disgui follow. Vous voulez m'achever? Vous voulez que je meure? Merci beaucoup pour le sub Unicorn-san. Et merci beaucoup pour le follow Jojo. Je veux des clap, clap, clap dans le chat. Clap, clap, clap. De Kakashi et Sasuke. Ah, alors, Ishtari, du coup, ça aurait pu marcher.
Ye neko des. J'aurais pas dit non, c'est faux. Même si c'est pas la réponse à laquelle j'attendais, ça aurait pu marcher. Mais là, le but de cet exercice, c'est d'utiliser des, en fait, de pouvoir le conjuguer et de comprendre la question déjà. Donc il y a un travail de compréhension de l'écrit. À ta santé, Charlie. Et le deuxième, ça a pour but de voir si vous avez bien maîtrisé la conjugaison de des, d'être. Donc voilà, ça c'est le premier exercice. Et si c'est bon pour tout le monde, omae wa mou shinderu ne? Mou shinderu yo? Donc là, je vous laisse en autonomie faire le deuxième exercice. Donc premièrement, vous me lisez la question, vous essayez de la traduire, et une fois que vous l'avez traduit, vous essayez d'y répondre avec le même type de réponse. Ie ou hai, et il faut juste conjuguer le verbe être en conséquence. Bonjour, j'ai commencé le japonais avec ton manuel que j'adore. Ah, je suis trop contente! Et j'ai vu la chaîne sur ton Insta. Et bah écoute, bienvenue à toi, merci pour le follow, merci pour le manuel du coup de. Je sais pas si c'était sur la campagne Ulule ou sur la boutique quand il est sorti. Unicorn-san, kanpai! À boire, à ta santé! Coucou Sensei-san, coucou Neng. Ah, Tanaka? Tanaka wa namae desu. Tanaka, c'est un prénom. C'est un nom plutôt, un nom de famille. Je sais pas depuis quand tu es de retour sur les lives, mais ça fait plaisir d'avoir à nouveau mon adversaire Beats et Sub offert. À son nez, j'avoue qu'il y a une petite rivalité entre Kiki-san et Mayeux à chaque fois. Et il y en a derrière qui se cachent tapis dans l'autre, je sais qu'ils sont là, mais c'est de temps en temps ils font des petits pop, pop, pop. Du coup, oui, vous avez pour la plupart de bonnes réponses. Hein. Tanaka-san deshitaka. Tanaka-san deshitaka. Est-ce que c'était, on est sûr du passé, monsieur ou madame Tanaka? Et maintenant, je veux une réponse. Alors, Barmok, c'est excellent, hein. Et petit Radier, il est là, il ou elle est là. Oui, elle est là. Tanaka-san deshitaka. Très bien, Polo Camp. Et du coup, Barmok, bonne réponse. Shinigams, bonne réponse. Shania, bonne réponse. Veuillez m'excuser car je ne réunirai jamais vos origines divines, pardonnez-moi. Lord, tu me fais trop rire. Soledad, parfait. Et Destiny qui choisit là. C'est, tu as raison. Tu as raison. Tu as une bonne réponse. J'aime bien comment vous contournez les règles. Mais c'est ça, exactement ça. Raiso, Odess, ça marche aussi, hein, évidemment. T'inquiète pas, Mayu, c'est la première difficulté en grammaire japonaise, c'est de pas confondre les temps. Bonjour à tous, non, je suis arrivée juste après la campagne, donc je suis passée par la boutique. Oh bah écoute, je suis contente en tout cas que le manuel te plaise, ça me fait plaisir. J'ai dit, attention, hein, j'ai dit pas de train de hype pendant les exercices. Du coup, il y a Unicorn, je le sens que petit. Bon, bah merci pour le sub-gift de petit Rabi. Merci, c'est trop gentil pour elle. Arigato. Arigato, arigato. Du coup, n'hésitez pas à utiliser les émotes. N'hésitez pas, après le live, à nous rejoindre sur Discord et à me faire part tout simplement que vous avez sub ou qu'on vous a offert un sub pour avoir un rôle supplémentaire qui vous donne des salons supplémentaires réservés uniquement aux subs et qui vous donne pas mal d'avantages pour les cours de japonais. Vous avez accès à tous les diapos, je peux vous corriger, vous avez des exercices supplémentaires, surtout là les vacances arrivent, je vais vous donner des exercices supplémentaires. Donc si vous n'avez pas encore le rôle, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un message et pour que je puisse vous le donner, hein. Vous me donnez votre pseudo sur Twitch et puis voilà, du coup merci encore pour le subkiff. Donc si on reprend la question 2, Tanaka-san deshitaka, est-ce que c'était monsieur ou madame Tanaka? Et on veut répondre par oui, ce qui va nous donner hai, Tanaka-san deshita. Oui, c'était monsieur ou madame Tanaka. So so so. Bah oui, Ishtari, il faudrait. Sans dessiner. Les gens, ils sont trop gentils, ils font des sub-gifs. C'est trop gentil.
Je peux trouver une excuse à tout pour la personne qui m'offre l'accès au clap. Taki devient va et si l'enfant de moi. Ah, quelle langue horrible. Magnifique. J'ai pas tout compris. J'ai pas tout compris. Est-ce que ça va pour ces deux premières phrases? Je sais pas si je suis trop lente, je sais pas si je suis trop rapide. Dites-moi, est-ce que le rythme est bon? Est-ce que vous avez le temps de faire l'exercice de votre côté? Et si on voulait répondre non? Bah alors vas-y, nègre, je t'en prie. Si on devait répondre non à cette question, qu'est-ce que tu dirais? C'est parfait, ok. Le maru, c'est le même endroit. C'est le même endroit que. Pour le point en français, il me semble. Ah, c'est à côté. Ah oui, le point, c'est la virgule, c'est vrai. Roulement de tambour pour la réponse de nègre. Yé, Tanaka-san. Attention, on veut du passé, enfin de la négation. Yé, Tanaka-san, dewa arimasen, deshita. Ah, bien joué, Destiny. Yé, Tanaka-san, dewa. Alors, attention, il y a une petite erreur. Arimasen, deshita, mais c'est bien ça. Là, il manque juste le R tapé. So. Question suivante. Yé, Tanaka-san, dewa arimasen, deshita. Bien joué, tout le monde. So, Destiny. Merci Shaya pour le pit, c'est gentil. J'ai retrouvé mon bouton bis. Du coup, elle le célèbre, trop bien. Ah, Diane, pour nous, bon appétit. Allez, question 3. Pareil, je vous laisse la lire, la comprendre. Et une fois que vous l'avez compris, donnez une réponse qui commence par Hi. Kore wa dou desu ka? Bon appétit, ne? Bon appétit. Je vais les surveiller, t'inquiète. Nihongo janai yo. Lode-san, sonna koto wa ne. Baka na koto desu. En tant que racaille, je désobie. Lors de la racaille, ça te va pas du tout, mais bon. Nia. Oh, bien joué, Shania. Bien joué, Kiku, pareil. Leila-san. Évidemment, tu contournes, mais c'est très bien. Bien joué, Barmok. Shinigams aussi. Kevin, très bien pour la question. Destiny aussi. Et du coup, Kiki-san pour ta réponse, c'est très bien. Bien, oh, bien joué tout le monde, vous maîtrisez ça, les phrases simples, ça a l'air d'être bien compris, c'est cool. Du coup, je vous montre la réponse. Nihongo desu ka? Nihongo desu ka? Est-ce que c'est du japonais, hein? Nihongo, c'est la langue japonaise. Et si on répond oui, c'est Hai, Nihongo desu? Oui, c'est du japonais. Hai, Nihongo desu. Et du coup, à l'opposé, comment on dirait non, ce n'est pas du japonais? C'est pas du chinois? Oh! Je peux tu faire avoir. Alors, Shinigams, en fait, sur téléphone, tu as plein d'applications clavier japonais. Moi, je dis JK Board, je crois, un truc comme ça. Et sur ordinateur, pareil, t'as des claviers des autres langues préinstallés. Tu vas dans tes paramètres clavier, tu télécharges et après, t'as juste une icône en bas à droite avec FRA ou JP à cliquer dessus pour mettre soit en japonais soit en français. Mais je vous conseille de regarder des tutos directement sur YouTube parce que mes explications, vu que je monte pas mon écran, c'est pas très clair. Mais il y a pas mal de tutos sur ça pour avoir le clavier et il faut juste savoir que les claviers japonais c'est un QWERTY et que nous on est en AZERTY. Du coup, il faut juste. Il y a quelques lettres qui changent, mais dès que vous avez pris l'habitude, ça va super vite. Hein. Et du coup, bien joué pour tous ceux qui ont donné la réponse inverse. Ie Nihongo dewa arimasen. Ie Nihongo dewa arimasen. Non, ce n'est pas du japonais. C'est très bien tout le monde, très très bonne réponse. Quatrième question pour l'exercice 1.
Alors, rebelote, hein, je vous laisse la lire, essayez de la comprendre et donc de la traduire. Et une fois que c'est fait, vous essayez d'y répondre en mettant, en commençant par « ie » cette fois-ci. Je vois que, en tout cas, ceux qui donnent les réponses, vous maîtrisez bien, bien le point-là. Est-ce que ceux qui n'ont pas le temps d'écrire, ça va quand même? Parce que je sais qu'il y en a qui n'écrivent pas dans le chat, qui le font à côté sur une feuille. Donc cette personne-là, s'il y en a aujourd'hui, est-ce que ça va pour vous aussi? Est-ce que vous y arrivez? C'est vrai? Oh mais moi, je pourrais pas changer, de toute façon, c'est mort. Je me suis habituée au QWERTY, je pourrais plus jamais passer en AZERTY. No name, idea, bof, mais je suis pas un bon élève. Alors, ça veut pas... Ça, non, déjà, on dit pas ça. Et tu n'y arrives pas parce que tu n'as pas encore eu le temps d'assimiler les leçons? Ou parce que je vais trop vite? Ou parce que tu connais pas le vocabulaire? Si vous n'y arrivez pas, dites-moi pourquoi vous n'y arrivez pas. Que je sache si je peux vous aider ou pas. Petit radis est trop lente. Ah, Korewane. C'est vrai que c'est pas évident. Les cours collectifs, c'est ça qui pose problème. C'est qu'on n'a pas tous le même rythme. Il y en a clairement dans le chat qui ont un niveau supérieur à du GPT-5, par exemple. Donc ces phrases-là, c'est vraiment des phrases très faciles. Alors qu'il y en a d'autres qui sont vraiment de grands débutants, qui commencent seulement, et donc qui ont besoin de plus de temps. Mais c'est pour ça que j'essaye de faire la commode à chaque fois. Pour meubler et laisser le temps un peu à tout le monde. Du coup... Alors, Barmok, très bien. Après, pour, t'aurais pu aussi me le mettre en poli. Je dis pas non. et comme dit Lord, donc, du coup, Barmok, faut juste faire attention. Hein. On est sur du passé. Du passé, Lord, pareil, tu me l'as bien conjugué, mais si on peut faire en poli, c'est pas mal non plus. Ah, un peu lent à assimiler. Ok, dans ce cas, prends ton temps. Tu auras le diapo à disposition si tu veux refaire les exercices plus tard. Je donnerai des devoirs à faire aussi pour les vacances, là. Donc, take your time, ok? J'ai pas le temps. Mon esprit. Merci, Anto, pour cette jolie chanson dans la tête. Ah, mais petit radis, hésite pas juste à noter la réponse. Tu vas avoir le diaporama après. En plus, maintenant que t'es sub, tu auras le diaporama. Donc, essaye juste de faire l'exercice. Essaye de le lire, de comprendre et d'écrire à la limite la réponse pour gagner du temps. Ce qui est de ma scène d'Eshta. Bien, Destiny. Bien joué, Kikoku. Yes. Kiki, pareil. Je vous montre la réponse, du coup. Je vais vérifier un peu tout le monde. Ce qui est de Shitaka. Est-ce que tu as aimé? Est-ce que vous... Vous aviez aimé. Là, on est sur du passé. Très bien, Shinigams. Hein. Là, par exemple, je lis, mais je traduis pas. C'est peut-être parce qu'il manque du vocabulaire. Ça, pareil, en 2021, il faut que je fasse des cours de vocabulaire. Pour Kalinours, ça va. Yes, Kidewa, Alimasen, Deshita, Ine, Ine. J'arrive pas car je réfléchis à la prochaine bêtise à dire. Skideshitaka, c'est bien pour le camp pour la lecture. Est-ce que vous aviez aimé? Yes, qui dévoile l'image des stars. Non, je n'avais pas aimé. Bien joué tout le monde. Hein. Dans l'ensemble, j'essaye de louper aucun commentaire quand vous me donnez des réponses, mais ça a l'air super. Hein. Tout le monde. Yé, totemo mal. Eh? Toshite sonakoto itterunja. Kamisama, non, moi je fais pas ça. Pourquoi? Pas compris, c'est un. A pas tout compris. Pas con, ben oui, pas con. Et attention, éponyme, hein, c'est IE, pas IE. C'est deux I et un E. Ce qui dévoile l'imagine des stades, le reste est bon. Moi, du coup, j'étais bon aussi. Parfait, Shania. Sinon, il y a les dictées d'Anto pour le vocabulaire, placement de produits. J'avoue, j'aurais trop voulu être là hier, Anto, pour écouter la dictée. Parce que même en live, c'est une idée que j'avais pour... à faire au début plutôt que ça. Oh là là, merci Kiki, tu le sens à chaque fois. Kampai. Mais j'aurais bien voulu voir comment t'organises ça parce que ça avait l'air pas mal, les gens avaient l'air d'être contents. Vous êtes trop fort. Oui, Barmok. Je lirai pas ce que t'as dit parce que voilà. Mais oui, je suis d'accord. Ah, il y a trop de décalage. Ah, gomanasai.
Alors, on récapitule, hein. Des, je suis. Deshita, j'étais. Dewa arimasen, je ne suis pas. Et si tu rajoutes le passé deshita, ça te donne dewa arimasen plus deshita. Pardon, deshita. Il y en a un qui a fui, c'est qui? Et du coup, le Tsukija Nakata, c'est la même chose en moins poli. Oui, oui, oui. Tsukija Nakata, c'est de la forme neutre. Et là, pour l'instant, moi, je vous apprends que du poli. Hein. La forme neutre, il y aura plusieurs cours sur ça. Pour les adjectifs, pour être, pour les verbes. Donc, voilà. Pour l'instant, on apprend que du poli. Focalisez-vous sur l'apprentissage du poli à fond, à fond, à fond. Et après seulement, voyez le neutre. D'accord? Bon, du coup, ça, c'était le premier exercice. Kiki-san, merci pour le sub tier 3. Merci. Ah là là. Arigato gozaimasu. Il fallait que t'actualises ta page. Merci beaucoup les gens. Ah, ça sent Noël. Arigato. Et du coup, il y a les gens, ils ont des émotes grâce à ça, c'est trop bien. Ah, ça, on est clap, 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 hein. Je veux des clap, clap, clap dans le chat. Clap, clap, clap dans le chat. Je veux des clap, clap, clap dans le chat. Ah, Inzane, sugoi. Merci, Mayo et Kiki, pour vos subs tier 3 à chaque fois, mais vous êtes riches. Et vous mettez bien. Arigato gozaimasu. Hantoni arigato gozaimasu. Merci vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça célèbre la fin de l'exercice 1. Du coup, est-ce que vous avez des questions sur ce qui vient d'être fait? Je rebondis assez vite, sinon je vais mourir. On est riche de ta présence, Sensei. Vous êtes trop gentil. Vous êtes beaucoup trop gentil. Et moi, je suis riche de votre gentillesse. Ah, que la vie est belle. Et on est bien... Je veux des clap 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 dans le chat. Clap 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 dans le chat. Pour Barmok. Pour Barmok. On va faire une variante dès que je dois mettre un prénom. Je veux des clap 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 pour le sub. Arigato. Du coup, j'ai eu un émote grâce à toi, trop bien. Arigato. Arigato. Il y en a qui veulent faire des trains de la hype. Il y en a qui veulent faire des trains de la hype. Ah. Normalement, j'aime pas donner des sous à Jeff, mais bon, c'est qui Jeff? Je sais pas qui c'est Jeff. Merci Lord, heureusement que tu es là, merci, merci, c'est vrai. Ah, sonne. Ah, j'ai compris maintenant ce que tu as dit, le patron d'Amazon. Tu sais Amazon? C'est Jeff. N'importe quoi. Bezos, je crois que ça se prononce, qui a Twitch. Ah, je savais pas. Coucou Jojo. Ah, ça fait trop longtemps. Il s'agit de Bulisugi, yo. Des bisous à toi. Bon courage. Lord, je vais te tuer. Je vais te tuer. Waouh, il s'agit de Buliné. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Du coup, ça a l'air d'aller. Et du coup, bah, exercice numéro 2. Hein. Oh, putain. Tchou tchou, c'est le train de hype. Tchou tchou, on veut des beats. Tchou tchou, on veut des subs. Tchou tchou, on veut des follow. Ah, tchou tchou, c'est le train de hype. Ah, les gens, pourquoi vous aimez autant me désobéir? C'est quoi le problème? Quoi? Tchou tchou, c'est le train de hype. Tchou tchou, c'est le train de hype. Tchou tchou, on veut des beats. Tchou tchou, on veut des subs. Tchou tchou, on veut des follow. Ah mon dieu, vous êtes fous les gens. Du coup, il y a eu plein d'émotes débloqués. C'est beaucoup trop gentil. Vous êtes en train de me faire sourire. Je suis en train de mourir. Laissez-moi partir en paix.
Tchou, tchou, c'est le train du hype. Tchou, tchou, on veut des pets. Tchou, tchou, on veut de ça. Je suis fière de cette chanson. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup, je m'enjaille à chaque fois. Ah là là, bande de patates. Par contre, j'en reviens pas qu'on soit déjà au niveau 3. Ça fait un peu beaucoup là, non? Vu comment ça, il monte dans les aigus, heureusement qu'il a pas de ce petit cas. Le jour, il y a ça, les gens. Je sais même pas qui je vous mets comme personnage. Je sais que je peux mettre Tsunade. Je sais que je peux l'avoir. Tu peux pas mourir. Tu n'as pas encore dit ce que tu pensais de mon PN. Attends, Sikani, il faut que je l'entende. Ah oh non. Bah, bientôt, écoute. Quand le train live, ça finit, j'imagine. Ah, merci les gens pour les beats. Il y a tellement de trucs que je sais même plus c'est qui donne. Je suis perdue. Je suis perdue. Kawaii janai desu. Nani ga kawaii janai? Je vois pas le kanji. Gaku en, je crois. Jiraya hentai sama. Jiraya, je peux pas l'avoir. Alors, on dit ça comme s'il y allait avoir des tiers 4. Mais ils veulent finir le niveau 3. Bien joué les gens, on est niveau 4. Ah. Pardon, je crie un peu beaucoup peut-être. Oh. Oui, alors n'hésitez pas tous les gens qui ont sub, qui ont reçu un sub gif, à me contacter sur Discord. Je vais mourir. À me contacter sur Discord pour recevoir le rôle de sub. Injane. On est level 4, les gens. Du coup, on a fini, ça y est, vous avez... Oh, mais vous êtes trop fort. Oh. Ah non, c'est juste le niveau 3. Non, c'est le train de hype qui est fini, on est d'accord, hein. C'est pas fini, pardon. Excusez-moi, je suis un peu naïve sur les bords. Faut pas m'en vouloir. Bon, on continue le cours. Il y en a qui attendent. Merci les gens. Je dis ça pour voilà, parce que voilà, sinon je le supportais pas. Mais merci. Non non, il reste 5 minutes pour le niveau 4. Ah non, mais je suis fatiguée et vous. Ah. Merci. Oh, on va calmer tout ça en commençant l'exercice, parce que sinon je vais vraiment mourir un jour. Exercice 2. Concu qui est vraiment là que pour ça. Le reste il s'en fout, il veut bosser, ok? Ok? Non Maïe, non, 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 non. Bon, alors, autre style d'exercice. Lors de ça, n'y a mettez kudasai. Autre exercice. On a... bah c'est marqué, hein, vous avez compris. Hein. Faites une phrase avec les mots suivants. Et là, le but, c'est de remettre dans l'ordre la phrase pour donner une phrase correcte en japonais. Donc là... là, vous avez... Premièrement, il faut que vous connaissiez tous les mots. Donc s'il y a un mot que vous connaissez pas, n'hésitez pas à me le demander. Deuxièmement, il faut que vous essayiez de reconstruire la phrase. Et ensuite, quand vous avez reconstruit la phrase... Merci, Shania. Quand vous avez reconstruit la phrase, vous me donnez aussi la traduction de cette phrase. Là, il y a toujours double exercice avec moi. Il n'y a pas juste le fait de faire la phrase. Il faut aussi la comprendre derrière et la traduire. Merci, 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 merci. Je vais pouvoir m'acheter du panettone pour Noël. Je ne sais pas si les gens connaissent le panettone, mais j'adore ça. L'Italie, tout ça, moi, c'est dans mes origines, vous voyez, du coup. Panettone, c'est la vie. Oh, bien joué, Destiny. Il manque juste le san, mais... Saldad, bien joué. Ah, non, dekudasai. Ah, waseretchatta, gomenasai. Ja, kanpai. Oh, bien joué, tout le monde, waouh. Ah, je pensais que ça allait être plus difficile pour la... Vous avez déjà fait ce type d'exercice? Je vais dire la blague de Yuniko-san. Comment tu peux en avoir s'il n'est pas né tonne? Je valide quand même. Je valide, j'ai rigolé pour de vrai. So... Franchement, vous êtes vraiment trop fort. Non, mais j'avoue. Hein. Tanaka-san wa... Eigo no
Sensei Des. Très bien, tout le monde. Bien joué. Il n'y a que ça sur Duolingo. Ah, c'est vrai? Ah, bon, bah. Du coup, il y en a qui ont déjà pu tryhard. Tanaka-san wa Ego no Sensei Des. Monsieur ou madame, hein, ici on n'a pas le contexte. Tanaka est un professeur d'anglais. C'est bien joué, tout le monde. Vous gérez, vous êtes trop fort. Sugoi, hontoni sugoi. Coucou, Scoop! J'aime bien. Le dernier donation, c'est Shania. Et du coup, ton nom, il est trop grand maintenant. On voit pas tout. On voit pas le montant que t'as donné. Hisashibuline, ça fait trop longtemps, on est d'accord. Donc voilà. Deuxième exercice, enfin deuxième phrase. Merci Mayu pour les pistes. Avec le trèfle, il est trop beau le trèfle. On peut pas. Moi, je peux pas me donner des bits à moi. Je veux voir s'il y a le trèfle. Non, je peux pas donner à soi-même. C'est dommage. Ah, il est trop joli le trèfle. Moi aussi, je veux. Coucou Mildy, comment ça va? Donc là, pareil, hein, les gens, je vous laisse le temps de faire la phrase. De. Du coup, c'est Mayo qui a pris la place. De faire la phrase dans le bon ordre et de la traduire. Et de mon sensei, t'es yéru. Lord. Tu sais qu'il y a des modos susceptibles qui vont vite faire un petit ban temporaire. Ça va bien. Et toi, pas et vous. Ah, c'est quoi Bioki? Bioki? Dans le chat, est-ce que vous savez ce que c'est Bioki? Malade, maladie. Très bien. Et du coup, merci beaucoup les gens pour ce chouchou de l'enfer niveau 3. Vous savez gérer, vous êtes adorables. Ah là là. Ah, mais à chaque fois, je me fais avoir 1000. Genki desu. Bioki. So, bioki, c'est malade. Maladie. Être malade. Bioki desu, être malade. Bioki wa nan desu ka? Quelle est votre maladie? Ah bah, il faut s'entraîner, hein. C'est parce qu'il faut avoir l'habitude de voir des phrases comme ça. Du coup, S-Dream, évidemment, ce que tu avais dit, c'est pas bon. Hein. Je n'ai pas relevé. Mais non, je veux pas aller aux toilettes. Pourquoi tu dis ça? Mais je lis tout le monde. Bon. Du coup, j'ai pas vu de phrase pour le moment. C'est qui arrive à faire cette phrase? Dewa imasen, c'est ne pas. Oba-san, c'est la mamie. Bioki, la maladie. Et watashi, c'est je. Alors, Koku, si tu essaies de traduire ta phrase, tu vas avoir un problème. Parce qu'elle aura pas de sens en français et parce que ta phrase en japonais, c'est pas ça. Donc Shania, du coup, très bien. Hein. C'est là, on essaye de dire ma grand-mère n'est pas malade. Ah, Père Jacques, bonsoir. Watashi no oba-san wa byoki de wa arimasen. Ma grand-mère n'est pas malade. Bien joué, bien joué. Sensei est trop occupé, non? Ça commence comme bio-in l'hôpital. Bio, c'est le même kanji de la maladie. Watashi wa byoki no oba-san de wa arimasen. Non, 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 attention. Hein. Là, on est sur une phrase un peu plus complexe où le sujet, le thème de votre passe, c'est pas juste Watashi. C'est Watashi no oba-san, ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle est quoi? Elle n'est pas malade. Watashi no oba-san wa byoki de wa arimasen. Parce que ce que vous dites, Watashi wa byoki no oba-san de wa arimasen, c'est je ne suis pas. Ça veut même rien dire. Une grand-mère malade? Ça n'existe pas. Bioki no oba-san, c'est pas japonais. Une phrase en japonais, elle ne commence pas que par watashi. Hein. Là, c'est watashi no oba-san. On est sur un groupe nominal avec une particule de comment on appelle ça? No de je sais plus mes mots en français. Watashi no 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 de Je suis fatiguée. Un
Alors attention, hein, parce que ici on est sur des, dewa arimasen. C'est être, hein. Avoir, c'est aru arimasen. Donc on est sur un autre verbe pour dire ce que tu as envie de dire. Watashi wa obasan no byoki ga arimasen. Je n'ai pas la maladie de ma grand-mère, ça serait plus ça, hein. La possession, non. La détermination, on est sur une particule de détermination et qui ici est utilisée en tant que possession, en effet, soldat. So, 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 Shania, so, so, so. Là, vous, votre phrase, ça aurait été Watashi wa obasan no byoki ga arimasen. Je n'ai pas la maladie, je en tant que sujet. Obasan no byoki, la maladie de la grand-mère. Ga arimasen, ne pas avoir. Ah, naruhodo. Obasan, du coup, les gens, retenez-le, c'est une grand-mère. Et un grand-père, c'est Oji-san. Avec un i allongé, hein. Oji-san. Coucou, Ntutu, comment tu vas? Isashiburi, ça fait longtemps? Ah, Ganbatte S2Lim. Ça va et toi? Bah ça va super! N'hésite pas à nous rejoindre pour cet exercice. Est-ce que c'est clair pour tout le monde cette deuxième phrase? Est-ce que vous voyez où il était le problème et pourquoi ça n'allait pas? Daijoubu desu ka? Wakarimashita, ajo yokatta. Shania, oui, hi, ok. Phrase suivante du coup, un peu plus petite cette fois-ci avec du vocabulaire peut-être que vous connaissez. Soba, ma grand-mère pour info. Ah, merci Anto, toujours présent. C'est oui, quand on dit ma grand-mère, c'est Soba. Et Oba-san, c'est plus quand on va parler de la grand-mère des autres. Mais on peut aussi appeler sa grand-mère Oba-san. Sobo, Sobo. Oba-san. Oba-san-san. Non, on dit pas deux fois san. Le san, il est déjà dedans. So, 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 tu as déjà le san. Alors, pour celle-ci. Oui, je sais, pure noob, je m'en suis rendu compte après l'avoir redit. Ah, oh, bien joué, Ishtaris. So, so, so. Pourquoi le mot est en rouge? Parce qu'il s'agit d'une particule. Je vous fais toujours un code visuel au début surtout pour que vous vous rendiez compte quand c'est en vert clair c'est que c'est du des. Quand c'est en rouge c'est que c'est une particule. Quand c'est en vert foncé c'est que c'est un démonstratif. C'est ce qu'on a vu pour le moment. Oh bien joué, celle-là elle était un peu plus facile je vois. Kinomo, Yuki Deshita, bien joué Mayu. Bien joué Soldat aussi. Hein. C'est super ça. Kino, alors Kino. Kino ça veut dire hier. C'est le mot pour dire hier. Kino mo yuki deshita. Hier aussi, il a neigé. Kino mo yuki deshita. Souci, bien joué Barmok, c'est ça. Hein. Hier. Kino mo yuki deshita. On peut le mettre en kanji, hein, Kino. C'est pas si dérangeant, je l'ai déjà vu, mais... voilà. Trop fort, ces élèves. Non, mais carrément, ils sont beaucoup trop forts. C'est pour ça que j'ai pas compris. Naruhodone. Et du coup, on peut mettre aussi Kyo wa yuki des. Aujourd'hui, c'est il a neigé. Ashita mo yuki des. Et demain aussi, il va neiger, par exemple. Et maintenant, ima, ou on peut dire aujourd'hui aussi Kyo. Si on veut être en opposition avec demain et hier. C'est Apple qui gère mes kanji, sorry. Asone. Kino mo yuki deshita. Kino mo yuki deshita. Est-ce que ça va pour celle-ci? Daijoubu desu ka? Y'a quelqu'un qui a des follow? C'est triste. Du coup, y'a quelqu'un qui a refollow. Merci, fille de Feril. J'espère qu'on le lit comme ça, ton pseudo. Follow shite kurete arigato gozaimasu. Notre channel est Yokoso. Bienvenue sur cette chaîne. Comment vas-tu? Et comment tu as trouvé cette chaîne? Dis-nous tout. On est curieux ici. Alors, Ishtaris, non, c'est le même. Hein. C'est juste que là, c'est ma police d'écriture qui est différente. Mais si tu prends Yuki, tout en haut, c'est le kanji de l'eau. Enfin, de la pluie, pardon. C'est Ame. Et en bas, bah, c'est le katakana yo.
Et je sais pas, la neige, elle fait yo à la pluie. Un truc comme ça. Je sais pas, peut-être vous allez retenir grâce à ça, mais c'est le même. Hein, c'est juste ma police d'écriture qui est assez, au niveau des kanji, carré. Mais c'est le même de base. Hein. Et par hasard, eh ben écoute, j'espère que tu te plairas parmi nous. On est en train de faire des exercices pour réviser les leçons qu'on a vues les semaines passées, avant les vacances. Donc voilà, si tu as des bases en japonais, que tu souhaites participer, que tu as des questions, n'hésite pas. Hein. Je suis là pour ça. Yo la pluie. Bah, non mais c'est exactement ça, Shinigami. Et grâce à ça, vous allez retenir. Alors, il faut connaître le kanji de la pluie du coup. Mais la neige fait yo à la pluie. Bah, vous voulez que je vous dise quoi? Oui. Bah voilà, c'est tout. Je suis grand débutant. Ok. Est-ce que tu maîtrises déjà tes kanas? Est-ce que tu maîtrises déjà les hiragana, les katakana? Eh, mais moi, toujours des bons moyens mnémotechniques dans ma tête. Hein. Mais non, c'est pas la pire méthode. Ça va rester à tout jamais dans ma tête. Je suis contente. Allez, quatrième phrase. Comme d'habitude, vous essayez de la reconstituer et une fois que c'est fait, de la traduire. Mais Amé, il y a juste la partie du haut. Est-ce que je peux te le montrer? Amé? Ah merde, attends. Amé? Et Yuki? Le kanji du haut, c'est le même. Enfin, en gros, Amé, c'est la partie du haut de Yuki. Et en dessous de Yuki, tu as Yo. Unicorn qui ne maîtrise pas encore bien les hiragana et pas du tout les katakana. Ok, bah il faut grande balimas et j'espère que les vacances te seront profitables pour réussir à les apprendre. N'hésite pas en hein, Unicorn, je ne sais pas si tu es sur le Discord, mais sur le Discord, tu as des bots qui servent à ça. Tu as aussi évidemment, et là autopromotion, le manuel, hein, si tu ne fais partie des gens qui ne le connaissent pas, par exemple, ou qui ne l'ont pas vu passer sur les réseaux sociaux. Pour pouvoir retenir plus facilement les kanas. Alors là, je vois. Alors, Yukimi, c'est très bien. Mayu, tu as fait une inversion. Faut faire attention à ton thème. Ton thème, il sera toujours en premier. Et ton mot interrogatif, ce sera le COD de ta phrase. Sinon, le sens est bon de ce que tu as dit. Destiny, pareil, c'est très bien. Shania, pareil. Alors, attention, concu. Ta particule K, tu la mets à la place de ton point d'interrogation. T'as pas de point d'interrogation en japonais. Et pareil, du coup, Barmak, tu as fait la même faute que Mayu. Tu as inversé ton thème et ton mot interrogatif. Donc Kiki-san, c'est pareil, hein, du coup. Des bottes, mais non, en tout. Soldat très bien, Lord bien, éponyme très bien. Ah, Shinigams très bien. Très bien. Très bien, très bien, très très bien. Tout le monde vous donnait d'excellentes réponses, c'est super. Je suis un peu contente parce que ça veut dire que les cours que je vous donne sont compréhensibles et que vous bossez de votre côté et ça c'est top. Du coup, pur noob, parfait, évidemment. Je vous montre la réponse. Ano hito wa dare desu ka? Ano hito wa dare desu ka? Qui est cette personne? Ano hito, cette personne. Dare, c'est le mot interrogatif pour dire qui. Dare desu ka, c'est qui? Dare desu ka? Sensei desu, c'est le professeur. Lord, tu me tues. Oh non. Ah, pure double. Ah, bien joué du coup, concu. So. Ah mince. C'est parce que j'avais dû dire ces personnes au début et que j'ai changé. J'ai pas changé. Retirez mon S. So. Qui est cette personne sans S, évidemment? Hop. Ouais, il y a une faute. Ouais, mais hé, le PDF, il fait plus de 60 pages. Hein. Alors, sur ce coup-ci, c'est normal. C'est le côté espagnol de Sensei. Si, pero.
On arrive à l'exercice 3, on est à le dernier exercice pour aujourd'hui. On a trouvé Charlie, c'est vraiment ça. Est-ce que ça va pour le moment? Les deux premiers exercices, est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que c'est... vous avez compris? Todesca. Ça va? Tout le monde? Un petit coup de co-so-ado. 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 J'en fais tomber ma bouteille. Ça va, nickel. J'ai pas tout compris. On peut revenir au début. Pire de tu aussi, toi. Naluhodo. Oh, mais oui, je... Dab. Merci, éponyme. Je suis trop fière. Oh, ben, je veux voir ça sur Discord, du coup, hein, Ishtaris. Je veux voir ça, moi. Je veux voir ce que vous faites. En vrai, ça m'intéresse vraiment, vraiment, vraiment. De voir juste jeter comment sont vos cours et tout. Alors, pareil, j'en profite. On fait une petite pause avant le dernier exercice. N'hésitez pas, si vous aimez les cours, à prendre des photos, des fois, de ce que vous faites. Et de faire des petites stories sur les réseaux sociaux. Principalement Instagram. Et à juste dire ce que vous pensez du cours. Parce que moi, j'ai beau faire toute la pub du monde, si ça vient pas d'élèves, bah, y aura toujours autant de monde. Vous voyez ce que je veux dire? Si les élèves sont satisfaits, bah, les autres vont dire « Ah bah si les élèves sont contents, c'est que c'est bien. » Donc, de temps en temps, si vous y pensez, si vous avez envie, je vous force à rien, c'est juste pour donner un petit coup de pouce à la chaîne, n'hésitez pas à faire une story sur Insta, Facebook, ce que vous voulez, Twitter. Maintenant, on peut même sur YouTube, enfin voilà, bref. N'hésitez pas. Juste, n'hésitez pas, ça aidera beaucoup la chaîne à grandir. Et voilà, c'est le petit moment, je vous demande, voilà, des choses. Il y a pire, il y a pire. Coucou Elissa Fleur, comment ça va? Et comme Pure Noob nous dit, si vous n'êtes pas... Je recommence. Si vous n'êtes pas encore sur Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est très actifs dessus, je suis très active aussi, donc... Ah, j'ai pas vu! Pardon. Kampai! Komenasai. J'étais dans mon moment, faut que je leur demande... Sur Link. Lol. N'importe quelle story, ça me va. Nouvelle ici, le lien sur le Discord, il est où? Il est dans le chat. Il est dans le chat ou il est même dans la bio. Et voilà. J'ai une question qui a rien à voir. Quand on lit une phrase à l'oral, est-ce que l'on marque des temps de silence? Pourquoi la plupart du temps je lis tout d'un trait et j'ai plus de souffle à la fin de la phrase? Alors Shinigam, ça c'est parce que t'as pas encore conscience de ces... Comment dire? Si on prend un exemple. Ano hito wa pause, dare desu ka? Là, c'est la particule qui va marquer la pause. Mais ça, c'est l'expérience qui va te le dire. À force d'entendre des Japonais parler, à force de m'entendre dire des phrases, à force de pratiquer aussi, tu vas avoir conscience de tout ça. C'est comme en français. On fait pas tous des pauses au même endroit en français. Hein. En japonais, c'est un peu pareil. Mais de manière générale, les particules t'aident pas mal pour savoir quand est-ce qu'il faut que tu t'arrêtes ou pas. Y'a quoi qui passe comme pub? Là, il a ça. D'accord? Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Alors, tu veux rester là à lire tes mangas? Ah d'accord, manga. Ou être bilingue en deux semaines? Je crois que la question est vite répondue. Alors, Manuel. Du coup, je valide ta pub, Leila-san. Je la valide. Bon, allez, on continue. Exercice numéro 3. Et donc là, c'est un exercice de particules. On va utiliser trois des particules qu'on a vues sur le cours 1. Et le cours 2. Le cours 2. Autrement dit, la particule wa de thème, la particule no de détermination ou la particule mo. Et donc là, bah c'est simple, hein, vous l'avez compris, vous devez placer les bonnes particules au bon endroit. Maïe. Anata. Et comme d'habitude, traduire la phrase. D'accord?
Donc pareil, je vous laisse le temps qu'il faut. Ici, il y a peut-être Shumi que vous ne connaissez pas. Oh Ashley Lexi, merci beaucoup pour ton follow. Follow してくれてありがとうございます sur notre channel et ようこそ, bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu? Et comment as-tu trouvé cette petite chaîne? Dis-nous tout. Anatanos. Oh, pardon, je le lis à haute voix du coup. Anto, évidemment, c'est très bien. Et Shumi, en effet, Maïeux, c'est les passions, les hobbies. Soldat qui a trouvé la truc, faut d'abord mettre ça et après ça. Et je réécrirai pas la phrase. So, bien joué tout le monde. So, dessiné. Vous êtes trop fort. Quand je fais les exercices, je suis en mode. Ah, ça se trouve, ils vont mettre un peu de temps et tout à répondre, je sais pas. Mais non, en fait, vous avez tout compris, c'est trop bien, vous êtes trop fort. Vraiment, vous me. Waouh. Je suis. Waouh. Du coup, je vous montre la réponse. Hein. Ici, on commence avec no. Watashi no, le mien. Anatano plutôt. Anatano, le tien. Shumi, donc de passion. Wa nandeska, c'est quoi? Subjugué, ah, exactement. Je suis subjugué par votre talent. Soldat de la feignasse. Non, je rigole, évidemment. Je ne peux te juger. Je voilà. Je n'ai pas de répartie. So. Anata no shumi wa nan desu ka? Tes passions, c'est quoi? Quelles sont tes passions? Très bien, tout le monde. Très, très bien. Chut, Anto. Chut, j'ai fait une faute. So, anata no shumi wa nan desu ka? Et pas nani. Excusez-moi. C'est nan. Ici, dans ce contexte-là, il se lira nan. Nani est une autre lecture. Hein, la lecture... Par exemple, quand on dit nani o shimasuka, on ne dit pas nan shimasuka. C'est nani o shimasuka. Et le kanji sera le même. Mais là, dans ce contexte, ce sera bien nan. Nan desu ka, nan desu ka. Particule ga, c'est quoi déjà? C'est la particule du sujet que l'on voit dans pas mal d'expressions, notamment nani nani ga suki desu. Ga alimas, ga imas, ga dekimas aussi. Ça, voilà, c'est un peu une particule compliquée parce que comme wa, c'est des particules qu'on peut utiliser pour plein de choses. Des fois, on peut mettre ga à la place de wa et inversement. Et faire la différence entre tout ça, c'est pas évident. Donc, je le répète si je l'ai déjà dit. Au début, pour la particule ga, apprenez-le dans des expressions toutes faites avec des adjectifs ou des verbes qui vont avec. Et sachez juste que on appelle ça une particule de sujet. Mais ça viendra plus tard, les explications de comment utiliser l'une, comment utiliser l'autre. Barmok, toi tes passions, quoi c'est? Mais non. Kamisama no shumi wa nani? Watashi no shumi? Watashi no shumi wa... Nihonko wo benkyo suru koto desu. Sore de anime wo miru koto to e wo kaku koto. Watashi wa e wo kaku. Alors, je répète ce que j'ai dit en français. Lors de me demander quelles étaient mes shumi, hein, mes passions. Bon, déjà, étudier le japonais, il faut que ce soit une passion, sinon c'est compliqué. Ensuite, j'aime bien regarder les animés. Et j'aime bien dessiner. Et un jour, peut-être, je vous montrerai un des tableaux qui est dans mon appartement que j'ai fait, que je suis fière, mais peut-être pas aujourd'hui. Comment tu sais quand c'est nan ou nani? Ça dépend du contexte ou du mot qu'il y a derrière. C'est trop compliqué ou l'on laisse tomber. Je ne sais même pas. Je sais que c'est une habitude d'entendre nan desu ka, nani o shimasu ka, onamae wa nan. Quand c'est des déjà, nan. Nani deshita, je sais pas, je t'avoue que je sais pas, désolé. Le feeling, bah l'instinct et puis t'as surtout l'habitude d'entendre et du coup en fonction de ce que tu as entendu, bah ton cerveau il sait, c'est l'expérience hein, tout simplement. Ça veut dire quoi les initiales JLPT? Japanese. Je sais plus. C'est Nihongo no Ryokushiken en japonais. Donc c'est test de positionnement en langue japonaise. Japanese Language Positionnement Test. J'aimerais bien.
Oui, en fait, le kanji est le même, le sens est le même, c'est juste la prononciation. Des fois, c'est nan, des fois, c'est nani. So. Language, non, Japanese Language Proficiency Test. Ah bah merci Anto. Alors, en fait, Anata ici, c'est juste pour marquer tu. Mais dans la vie de tous les jours au Japon, on ne l'utilise pas, hein, je le répète, c'est mal poli. On va utiliser le nom de la personne plus san. Mais là, pour faire un exercice, j'arrête pas de vous mettre Tanaka-san. Je fais, bon, moi, je vous mets Anata. Mais voilà. Question suivante, du coup, question 2. Donc, pareil, je vous laisse lire, essayer de deviner, de trouver plutôt les particules qui correspondent. Naluhodo, naluhodo, naluhodo. Et si on ne connaît pas le nom de la personne, on utilise quoi? Eh ben, tu poses la question. Onamae wa nandeska? Onamae wa nandeska, comment tu t'appelles? Et puis elle va te le donner, et à partir de là, tu pourras. Shinigami. Kisama te yabe. Bah, Anata, c'est ça, hein, et c'est aussi. Bon, ou. Troisième option, ça fait débutant en japonais. C'est tout, hein. En soi. Oh, bien joué, Anto. Et bien joué, pur noob, pour cette petite. Je sais que. Enfin. Je savais que Anata voulait aussi dire chérie, mais j'ai souvent entendu dire que c'était il y a quelques années, que maintenant ça se fait plus trop. Après, je sais pas. Si c'est encore d'actualité hein, de dire Anata pour son chéri, mais bon, je savais que ça existait en tout cas. Alors attention hein, là, Mayeux et Barmok, vous faites tous les deux les mêmes erreurs. Il faut, je pense, il vous manque peut-être du vocabulaire. C'est là le problème. Ici, Kuruma, c'est la voiture. Et Kaisha, c'est une entreprise. Du coup, en sachant ça, et il y a quelques personnes qui ont donné la bonne réponse, hein. Toyota, voiture, entreprise. Sozo, Kaisha, ça veut dire entreprise. Il n'y a pas de verbe acheter. Hein. Ici, on est bien sur être. Il y a quelque chose. Être. Mayeux, c'est embêtant. C'est un petit peu embêtant. Ok. Anata. Gohan ni suru? Ofuro ni suru? Sore tomo. Atashi? Ah, Atashi wa yoku tsukatteru ne. Alors. So, nègre, bien joué. Oh, bien joué, Barmak. So. 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 J'ai l'impression d'être mon prof de littérature. Il est toujours là en train de répéter, il s'est fait. So. Tout à l'heure, il nous a fait quoi? Chotomate! Chotomate! Chotomate, il arrêtait pas de dire ça parce qu'il réfléchissait. Ouais. Chotomate. Pendant au moins 10 fois, il l'a dit et j'étais là. Ouais. Il va arrêter de dire chotomate. Et du coup, vous avez donné de bonnes réponses. Hein. Bien joué, Kiki. Bien joué, Shinigams. Toyota wa. Ici, c'est le thème. Kuruma no kaisha. Toyota. Est une entreprise de voiture, est une entreprise d'automobile. Bien joué. Toyota wa kuruma no kaisha desu. Toyota wa kuruma no kaisha desu. So desu ne. Toyota wa kuruma no kaisha desu. Est-ce que vous comprenez d'où viennent vos erreurs? Parce que je vous donne la réponse, mais j'ai peur que des fois ça soit pas très très clair. Est-ce que ça va, ceux qui se trompent? Vous avez compris où il y avait l'erreur et du coup. Pourquoi? Et pour éviter de la refaire. Je le sais, Kaïcha, mais je réfléchis pas des fois. Eh ben, voilà. Oui, madame.
C'est ça, Mayeux, exactement. Bah là, par exemple, si on disait Toyota no kuruma, les voitures Toyota wa kaisha des, c'est une entreprise. En français, c'est pas correct. Donc la traduction aussi qui vous aide, hein, pour savoir si votre phrase est correcte. Déjà, si vous n'arrivez pas à la traduire, c'est qu'il y a un problème dans les particules. Et après, si votre traduction elle est un peu bancale, c'est qu'il y a peut-être un souci dans votre choix de particules. Ça, c'est des indices de traduire. Zen budai jebu. Ok. Je me suis trompée parce que je ne savais pas ce que c'était Kaisha. Sone. Kaisha wa entreprise. Ah, Okaeli. Le fantôme est rentré. Allez, troisième question. Donc là, vous pouvez juste mettre les particules, sinon ça va être long à écrire, je pense. Vous avez deux particules à mettre. Je vous laisse y réfléchir et je vous laisse les traduire du coup. Retourne écrire en blanc sur ton tableau. Mais là. Nani kore? Nani sore? Visionnaire, j'avoue, soldat, tu es un visionnaire, oui. Bah là, c'est parce que je me dis, ça fait un peu long de tout écrire et après de tout traduire. Selon vous. Déjà, est-ce que vous avez le vocabulaire? Ensuite, si vous avez le vocabulaire, qu'est-ce qui pourrait fonctionner? Ah, Isha. Isha, c'est le médecin. Médecin. Oh, bien joué, Ishtari. So. Isha, ça veut dire médecin. Et du coup, nègre, non. Pipon. La deuxième particule, c'est pas ça. Il y en a pas mal qui ont une bonne réponse, hein. Sourd dessiné. Ah, Mayeux. Alors, si la phrase avait été tout seul, tu aurais pu. Sauf que là, j'ai justement mis une deuxième phrase pour que tu ne puisses pas te tromper. Donc là, ta réponse ne sera pas bonne. On peut pas mettre no. Et donc, comme tout le monde le dit, hein, c'est bien. Première, c'est wa. Et la deuxième, c'est mo. Et ça, c'est quelque chose de typique en japonais. Vous allez avoir une phrase pour dire il y a telle chose ou il n'y a pas telle chose. Et la deuxième qui va dire que pour la deuxième phrase aussi, il y a ou il n'y a pas telle chose. Et donc là, on dit dans la première que Monsieur Tanaka n'est pas médecin et que Monsieur Ueda non plus n'est pas médecin. Quand il y a deux phrases comme ça, vous pouvez être sûr qu'il y a une question de wa et de mo, surtout si ça coïncide entre les deux. Hein. Isha veut dire médecin, ici c'est ne pas être. Hein. Tanaka-san wa, isha de wa arimasen. Ueda-san mo, isha de wa arimasen. So desu ne. Mo, Tanaka-san wa, isha de wa arimasen. Monsieur Tanaka n'est pas médecin. Ueda-san mo, isha de wa arimasen. Et Monsieur Ueda non plus n'est pas médecin. So. Bien joué tout le monde. So. Vous vous êtes précipité. Exactement. Alors, celui-là, c'est ta, la rizière, pardon. Et là, par exemple, on peut rajouter des ten-ten pour da, mais c'est la même origine. Ta, la rizière. Ils sont quoi? Annoné, Gakusei? Sensei? Shiranai. Je ne sais pas ce que sont Monsieur Tanaka et Monsieur Ueda. On ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce que ça va pour vous? Eh les gens, eh les gens. Attendez, parce que du coup, là, il y a tous les autres exercices pour jeudi, mais il est 20h. Et le cours est fini! À l'heure! Wouh! Non, sans déconner,
mais est-ce que vous avez des questions sur ça? Mais on a fini le cours à l'heure! Et s'ils étaient morts, c'est ça? Est-ce que ça va pour tout le monde ces trois exercices? Daijoubu desu ka? Donc là, vous avez trois exercices plus un quatrième qui consiste toujours à traduire ce que vous faites. Hein. Ça, c'est indispensable en japonais. Il faut que vous sachiez ce que vous... Il faut que vous compreniez ce que vous êtes en train de lire, ce que vous êtes en train d'écrire pour réussir à faire des exercices. Donc ça veut dire aussi apprendre du vocabulaire. Là, par exemple, il y a quelques mots de vocabulaire par-ci, par-là. On a eu médecin, on a eu voiture, entreprise. Tout ça, il faut... chemise. La passion, nani, quoi. Tout ça, il faut que petit à petit, vous arriviez à les assimiler pour augmenter votre champ lexical. D'accord? Et du coup, oui, kosoado et les particules to, ya et ka, ça sera pour jeudi. Exactement, exactement. Non. Alors, il y a des messages qui ont dû passer en haut que je n'ai pas vu, je suis désolée. C'est pas mal, mais il va falloir que je retravaille pendant les vacances. Vous allez avoir le temps, justement. C'est pas juste pour prendre des vacances que je fais pas stream. C'est pour que vous ayez le temps de rattraper. La prof qui dit n'importe quoi. Je vais devoir travailler aussi, surtout que je n'ai pas rattrapé le cours de lundi dernier. Alors, dur, dur. T'inquiète pas, Shania, celui de lundi dernier, si tu te fais une fiche de vocabulaire, ça c'est pas si compliqué que ça. Merci Delesan, je ne le dirai pas à haute voix, mais merci. J'ai commencé un deck Anki avec les mots de vocabulaire qu'on voit dans les leçons Twitch pour ceux qui veulent. Ah bah écoutez, oui, n'hésitez pas, comme dit Darmok. Hein. Avoir le temps, tu as vu dans le de Mills. Je sais Kalinos, je sais. Toujours de vocabulaire de qualité. Ça peut vous sauver la vie au Japon. La bonne excuse. Et toujours, j'ai toujours de bonnes excuses. Bon, ça a l'air d'aller en tout cas pour... Allez, hop. Hop. Il veut pas charger. Hop. L'overlay. Hop. Ah voilà. Oh. À quand un live japon de 24 heures pour Noël. Merci pour le prime, choupinou, c'est gentil. Bah écoute, à Noël, je suis avec ma famille, donc ça va être compliqué. Mais, oh, Grim qui moi, celui-là, enfant de la classe, le plus sage, et j'ai bien suivi le cours. Merci, Sensei qui a dit Aligato, Grim. Merci beaucoup, les gens, pour les subs. Oh, mais vous avez été beaucoup aujourd'hui à sub, non? Ils sont pas ces choses. On en a eu 3 au test, et là, on en a eu au moins 10. Oh, t'as fait beaucoup. Là non. La survie au Japon, Biru Okudasai, seule phrase utile. Attention à Biru no Manai. Je cite source le début de cours. Twitch c'est Amazon, le bot abonné gratuitement à la chaîne grâce à Amazon Prime. Mais non, mais je pensais qu'ils avaient fait un lien, enfin juste un partenariat entre Twitch et Amazon. Mais du coup je comprends mieux pourquoi il y a Amazon Prime de disponible sur Twitch. Tout est logique. Et du coup, le live Noël, pas Noël, peut-être, non, nouvel an, j'ai des trucs de prévu. Peut-être le 1er janvier, si je suis pas trop fatiguée, je sais pas. 24 heures, ça fait beaucoup, hein. 24 heures, c'est pas possible, moi, je peux pas. Un jour, peut-être, un jour. Mimi et Sperluette, merci beaucoup pour ton follow. Tu arrives en fin de cours, mais je suis très contente que tu nous rejoignes. Et du coup, tu seras là et vous serez tous là jeudi, 18h30, partie 2 de cette session d'exercice pour réviser les points que l'on a vus en grammaire, hein, JLPT5, les 4 dernières semaines. Ça fait 12h si tu partages avec le fantôme. J'avoue, ça c'est pas con. Merci pour ce cours, bah avec plaisir, merci à vous d'être venus. Vous êtes à chaque fois de plus en plus nombreux. Là la moyenne en cours de japonais elle commence à être à 50. C'est... Je n'en reviens pas, j'ai de la chance. J'ai de la chance de vous avoir les gens. Mais voilà, merci, merci, merci. Je suis affamée. Et bah bon appétit à tous ceux qui vont manger. Moi je vais vous laisser, mais je vais vous laisser. Et d'abord il faut qu'on raid. D'abord il faut qu'on raid. Et pour raid, il faut voir qui il y a. Y'a qui live en ce moment de votre côté? Est-ce que vous avez des recommandations?
Candy dans Objectif Japon sur M6 prochainement. Bah écoute, pourquoi pas? Jordan, Jordan. D'aller le canard. Est-ce que vous avez des recommandations? Ça donne si je monte une chaîne pour apprendre la physique, tu voudras bien un partenariat? C'est pas pour tout de suite. Oh bah écoute, carrément, carrément, tu m'en parles par message, mais il n'y a pas de souci, hein. Ah, il y a Sophie, cours de japonais, qui fait un coup des comptes. Sinon, vous avez qui? Ah, il y a General Mas. Oh bah on va faire General Mas. J'ai que apprenant japonais qui live en rentant. L'ICEF. Ah! Des mots. Fall Guys, c'est grâce à qui? Je vais juste regarder ce qu'il fait. Je. Ah, c'est une fille en plus! Oh, il n'y a pas assez de filles sur Twitch. C'est une fille des shows. Elle a 16 abos! Oh bah oui, qu'on va lui faire un. Oh bah oui! Oh bah oui! Oh bah non, elle n'a pas 16 abos! Elle en a 1500! Ah, elle a 16 viewers. Bon, allez, c'est parce que c'est une fille. Je pense que je vais. On va faire quelqu'un qu'on connaît pas. Pour changer un peu d'habitude. T'es chaud? Bon, sur ce, les gens, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à jeudi. Mais non, il faut les filles. À chaque fois, on fait que des mecs. Mais un peu de féminité, ça fait pas de mal. Hein. Et les seules personnes qui font des cours de japonais, à part Judaishi sur Twitch. C'est des filles. Heureusement, heureusement qu'on est là, nous les filles. Sinon, vous n'aurez pas de cours. Révolution, nous les hommes. Sonnez. Bon, allez tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à jeudi 18h30 pour le cours de japonais. Moi, je liverai certainement du Fall Guys. Voilà. Et bah, je vous fais des bisous. Tout simplement. Bonne soirée, merci à tous, c'était un super cours et puis à la prochaine. Bye bye.